Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soir Cool au Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite à propos des codes créateurs. Comme vous le voyez, j'ai été accepté en tant que créateur sur Fortnite. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous pouvez aussi obtenir un code créateur. Alors si tu kiffes la vidéo, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si c'est pas déjà fait. Et bien sûr, si tu ne soutiens aucun créateur, n'hésite pas à mettre mon code créateur sur Fortnite. Merci à tous ceux qui le feront, c'est super sympa de votre part. Alors on se retrouve sur mon PC et voici le lien que je mettrai en description si jamais vous voulez postuler en tant que créateur. Alors, qui peut participer ? Les créateurs, vidéastes, diffuseurs, écrivains, artistes, cosplayers, musiciens et fondateurs de communautés actives genre Snapchat, Facebook, Twitter, Instagram, tous les réseaux, si vous remplissez ces critères, vous pourrez être peut-être accepté. Alors, il vous faut au moins une communauté avec 1000 personnes sur la plateforme sociale majeure, ok? Donc ça, c'est le minimum qui demande, c'est 1000 personnes qui vous suivent. Ensuite, il faut que vous ayez complété un contrat d'affiliation en respectant le code de conduite du créateur de Fortnite. Donc sur ce site-là, il y a toutes les informations. Par exemple, vous ne pouvez pas critiquer le jeu Fortnite, vous ne pouvez pas faire des glitches sur le jeu Fortnite. Donc moi, bien sûr, j'ai fait quelques glitches sur Fortnite et je peux vous assurer que maintenant que je suis en partenaire avec eux, je ne ferai plus jamais de glitch sur leur jeu. Tout simplement parce qu'ils le méritent. Ils payent carrément les créateurs. Donc les youtubeurs et toutes les autres personnes qui aident Fortnite à faire le buzz. Et ça, c'est du jamais vu. Aucune autre licence ne fait ce genre de choses. Donc maintenant que je suis accepté en tant que partenariat, je peux vous assurer que j'ai pas envie de le perdre. Par contre, Call of Duty, lui, il est un peu dans la merde parce que je compte pas arrêter de sitôt. À moins qu'il m'offrirait un petit contrat là, hein. Peut-être pas, je sais pas, on verra, tu vois. Enfin bref, de toute façon, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais sérieux, vous devez être irréprochable si jamais vous voulez avoir un contrat avec eux. Alors, il faut que vous soyez capable de recevoir un paiement sous forme recevable pour Epic. Donc ça veut dire soit PayPal, carte bancaire, carte Visa, enfin des trucs comme ça, un moyen de paiement pour qu'ils puissent vous payer. Alors ils nous disent aussi qu'ils acceptent toutes les régions du monde, toutes les langues, toutes les tailles d'audience et tous les types de contenu. Alors quand moi je vois le type de contenu, je me dis bah laisse, tu peux faire des glitches alors. Mais en fait non. Quand tu lis entre les lignes, tu peux pas. Alors ils recherchent des créateurs qui visent la meilleure qualité possible dans ce qu'ils créent et partagent. Donc si vous faites des vidéos, essayez de vous appliquer parce qu'ils vont vous demander votre chaîne YouTube pour aller voir un peu le contenu que vous faites. Donc essayez de vous appliquer un minimum. Alors juste en dessous, il est marqué qui ne peut pas participer, donc la Chine, l'Iran, la Corée du Nord et tout autre pays interdisant la loi des États-Unis, blablabla. Epic rejettera la candidature de tout créateur coupable de comportements néfastes, discrimination, illégale, pornographique ou frauduleux ou de tout créateur pratiquant le jeu d'argent, le spam et les harcèlements. Donc voilà, ça c'est les critères qu'il faut surtout pas avoir sur sa chaîne YouTube si vous voulez participer à ce programme. Alors si vous remplissez toutes ces conditions, ça veut dire que vous avez une grande chance d'être accepté. Alors qu'est-ce que vous pouvez gagner si vous rejoignez le programme d'un créateur? Tout simplement, vous allez gagner 5% de chaque achat de vos soutiens. Donc si par exemple une personne vous met en tant que code créateur sur Fortnite, vous recevrez 5$ à chaque fois qu'il usera 100$. Donc en euros, c'est pareil. S'il use 100€, vous recevrez 5€. Et ça, c'est le minimum parce que parfois, ils augmentent le nombre de pourcentages. Donc franchement, c'est vraiment pas mal. Quand vous avez une assez grosse communauté, que votre communauté, elle vous soutient et qu'elle vous met en tant que créateur sur Fortnite, vous pouvez quand même gagner pas mal d'argent. Et ça, c'est vraiment cool de la part d'Epic Games parce qu'ils partagent leurs revenus avec nous-mêmes. Et ça, c'est incroyable. Ça, c'est du jamais vu. Alors si vous pensez pouvoir participer à ce programme, vous postulez tout simplement en cliquant ici. Et là, vous devez vous connecter avec votre compte. PlayStation, Xbox, Switch, Facebook, Google, peu importe. Vous vous connectez avec votre adresse email. Et là, vous aurez quelques petits trucs à remplir, genre nom, prénom, etc. Et si vous êtes accepté, vous allez recevoir un mail ici, comme je l'ai reçu. Donc ici, bienvenue créateur de contenu Fortnite. Alors, je l'ai reçu le 12 du 10 2018. Et je ne l'avais jamais remarqué en fait. C'est une adresse email que je n'utilise pas souvent. Et j'avais même pas remarqué que depuis 4 mois, je peux être un créateur sur Fortnite. Et je suis vraiment dégoûté parce que voilà, j'ai perdu 4 mois. Donc maintenant, je vous le partage et j'espère que vous me choisirez comme créateur. Donc après, c'est à vous de voir, je vous oblige à rien. Mais franchement, si vous postez votre candidature,
N'oubliez pas d'aller vérifier vos mails, ne faites pas le con comme moi j'ai fait, tu vois, parce que moi j'étais complètement à l'ouest quand j'ai fait ça, c'est pas possible, tu vois. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait, et n'oubliez pas le petit code créateur qui fait plaisir. Merci à tous, et je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Sois Cool au Mike, et ciao, peace. Yummy, bruh.